Hello, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, je voulais partager un exercice de connexion au corps. Je ne sais pas comment c'est pour vous et votre corps ce confinement. En tout cas, voilà comment la relation que vous avez avec votre corps pendant ce confinement. Je ne sais pas si c'est aisé, facile. Moi, j'ai envie de partager ce que je vis et aussi parce que on me l'a. Enfin, je l'ai partagé aussi ce matin avec Mickaël et avec plein d'autres personnes. Pendant ce confinement, quand on est très très conscient, en fait, eh ben, il est possible qu'on perçoive ce que tous les corps vivent. Donc, ça peut être comme pour moi, par exemple. Bon, c'est quand même, on va dire, ma sensibilité. Voilà, tout le monde est confiné, donc tout le monde mange plus, trop, juge son corps d'avoir trop mangé, d'avoir peur de grossir, de pas être à l'aise dedans, quoi, notre corps. Et évidemment, moi je perçois ça très très fort. Bon, il y a aussi évidemment, tout est dans le corps, hein, donc la peur, les doutes, tout ça en fait, ça a une expression corporelle, on va dire, on le sent dans notre corps en fait d'une certaine façon. En général, c'est pas quelque chose qui est très aisé et très agréable. Et en fait, je prends conscience depuis quelques jours. Je demande plus d'aisance en fait avec mon corps, hein, parce que je me dis que je peux pas avoir l'aisance dans mon corps seulement quand le monde entier aura de l'aisance dans son corps en fait. Parce que peut-être que ça n'arrivera jamais. Et en tout cas, moi, je veux l'aisance avec mon corps tout le temps. Peu importe ce que les autres vivent, peu importe que je sois sur un bateau avec 5000 personnes aussi. Oh, c'était 500, enfin, je ne sais plus combien il y avait, qui se jugent et qui jugent leur corps. Enfin voilà, le monde autour va peut-être continuer à juger son corps et à être pas à l'aise avec son corps. Mais moi, ce que je demande, c'est l'aisance avec mon corps, l'aisance totale. Alors c'est vrai que c'est un sujet peut-être. En tout cas, c'est quelque chose que je demande à changer qui. Prend peut-être un peu plus de temps, alors que j'ai changé plein plein de choses déjà et que c'est moins facile, on va dire. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, je m'engage à avoir plus d'aisance avec mon corps et j'ai pris conscience en fait que je suis pas présente toujours avec lui et je l'ai jugé depuis tellement longtemps que j'ai mis cette espèce, enfin ce qu'on appelle la distance confortable avec Access Consciousness. En tout cas, j'ai mis de la distance avec ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent, ce qui tout ça. C'était tellement inconfortable. Bon, moi, ma technique, c'était la nourriture, de l'éteindre, hein, d'éteindre tout ce que je percevais tout le temps dans mon corps avec de la nourriture. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai vraiment envie d'autre chose. J'ai envie de retrouver la communion avec lui. Et pour ça, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui un outil, quelque chose qu'on voit dans la classe corps, mais bon, qui est un exercice de connexion au corps, qui est super facile et qui est même super doux et agréable. Et donc voilà, vous pouvez le faire tous les jours, même plusieurs fois par jour. Donc si vous êtes là en direct, je ne vois pas trop bien, pardon, je ne suis pas encore super forte en Facebook Live, mais ça va venir, qu'est-ce qu'il faudrait? Mais même si vous le regardez après, au contraire, vous pourrez réécouter et faire cet exercice. Donc vous allez simplement en fait mettre vos mains sur votre visage. Vous pouvez fermer les yeux. Je ne vais pas fermer les yeux là. Vous mettez vos mains sur votre visage, en fait, vous mettez les deux mains sur votre visage. Et vous allez en fait être très consciente avec votre visage qui reçoit en fait la main, hein, les sensations que votre visage a. Et votre main, en fait, qui lui reçoit votre visage. Voilà, ils sont tous les deux dans un donner-recevoir. Voilà. Et là, vous allez remercier votre corps. Vous allez lui dire merci d'être là. Merci de vous avoir supporté depuis tout ce temps, alors qu'on n'a pas toujours été très sympa avec lui.
et lui dire que maintenant, ben, ça va changer, que vous êtes là. Il n'a pas de point de vue, il n'a pas de jugement sur tout ce que vous lui avez dit ou tout ce que vous avez pensé de lui depuis toutes ces années. Donc c'est plutôt super chouette. Merci mon corps, merci d'être là. Voilà, et donc c'est quelques minutes en fait de reconnexion avec lui, un petit exercice qu'on peut faire plusieurs fois par jour. Et si on en profitait pour le commencer maintenant et puis le faire tous les jours. Le confinement, moi, m'a permis tous les matins, en fait, comme je dois plus courir dans tous les sens, eh ben, de faire ce petit rituel, le petit rituel de connexion au corps, le petit rituel de poser des questions. Voilà, ajoutez à votre petit rituel cet exercice de connexion au corps. Voilà, c'était mon petit partage de la journée. Je vous embrasse et j'espère que vous allez bien. Et merci à nos corps d'être là. Merci à vous.